ADRA travaille à la sécurité et à l'inclusion des enfants atteints d'albinisme en leur offrant une éducation et des soins de santé au sein des écoles tanzaniennes. Les adventistes innovent en donnant aux jeunes les moyens de communiquer et d'inclure la communauté sourde aux Philippines. Advent Health révolutionne la détection précoce du cancer du sein grâce à l'intelligence artificielle. Au Panama, les jeunes dirigent un groupe de travail sur l'environnement, remodèlent les paysages et sensibilisent la communauté. L'Église adventiste en Espagne impacte la communauté grâce à Expo Bible, suscitant des questionnements spirituels et distribue de la littérature chrétienne. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. En Tanzanie, les personnes atteintes d'albinisme font face à des risques mortels dus à l'exposition au soleil qui entraîne souvent des cancers et des décès prématurés. ADRA intervient pour améliorer leur qualité de vie grâce à des programmes de protection et de soutien essentiels. Cette vidéo présente des histoires fascinantes de résilience, mais attention, ces images peuvent heurter la sensibilité du public. Le visionnement de la prochaine vidéo est donc laissé à votre entière discrétion. Dans de nombreux pays, l'albinisme est associé à des superstitions qui provoquent la peur, la discrimination et la persécution. Beaucoup croient que les albinos sont possédés ou maudits par Dieu et qu'ils doivent endurer cette punition pour un mal qu'ils ont commis dans une vie antérieure. Les gens croient que l'albinisme est une maladie contagieuse, donc ils évitent le contact et l'intégration. La stigmatisation est présente. Si nous nous approchons trop des gens dans la rue ou au marché, ils nous crachent dessus. Si nous croisons une femme enceinte, elle s'éloigne de nous et va de l'autre côté de la route parce qu'elle a peur d'avoir un bébé comme nous. Nous n'avons aucune valeur pour la plupart des gens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quand ils nous crachent dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous choisissons de ne pas être méchants en retour. Ce sont aussi des enfants de Dieu. Dieu les aime autant qu'il nous aime. Nous devons les aimer aussi et leur pardonner. Il y a une croyance tragique selon laquelle les os et les parties du corps des albinos peuvent transmettre des pouvoirs magiques qui apportent la prospérité. Des personnes atteintes d'albinisme, même des enfants, sont chassées, tuées et démembrées. Des tombes ont été profanées et les os vendus sur le marché noir pour être utilisés dans des rituels de sorcellerie. Malheureusement, la plupart des personnes atteintes d'albinisme meurent avant l'âge de 40 ans de problèmes de santé qui pourraient être évités. L'exposition au soleil peut être très dommageable pour les yeux et la peau. La crème solaire, les vêtements de protection, les chapeaux et les lunettes de soleil sont essentiels pour leur santé. ADRA Tanzanie travaille avec la communauté albinos depuis plus de 20 ans. En enseignant des compétences de vie, ils l'encouragent en affirmant que le handicap n'est pas une incapacité. Ils éduquent et sensibilisent sur les méthodes de prévention du cancer de la peau et offrent des traitements aux personnes présentant des conditions précancéreuses. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé l'Afrique, de nombreuses usines ont fermé, y compris la seule usine en Tanzanie qui produisait de la crème solaire, entraînant une grave pénurie dans tout le pays. Lorsqu'elle peut être trouvée, le prix a tellement augmenté que les personnes qui en ont le plus besoin ne peuvent pas se le permettre.
Pendant la pandémie, la plupart des personnes atteintes d'albinisme manquaient de revenus pour acheter de la nourriture chaque jour, sans parler de trouver des fonds pour des lotions coûteuses. Je m'appelle Victoria. Depuis que mon mari m'a quittée, j'ai du mal à nourrir mes trois enfants toute seule. Le seul travail que je peux trouver est celui de journalière dans les champs, exposée au soleil brûlant. C'est pourquoi je suis comme ça. La clinique dit que mon état de santé n'est pas bon. Depuis 6 mois, j'essaie de me procurer de la crème solaire pour me protéger, mais je n'en ai trouvé aucune. J'ai prié pour que Dieu nous aide. Comme une réponse à la demande de Victoria, ainsi qu'aux prières de nombreux amis, ADRA Canada a récemment été contacté par Health Partners International du Canada. Ils avaient remarqué le travail qu'ADRA menait auprès des albinos en Tanzanie. Ils ont proposé de fournir des palettes de crème solaire pour la Tanzanie. Bien sûr, ADRA a accepté et l'expédition a été organisée. La crème solaire salvatrice a été reçue en Tanzanie avec la plus profonde gratitude. Les mots me manquent pour remercier ADRA pour le beau cadeau qu'ils ont offert à mes amis et à moi. Avoir accès à la clinique mobile d'ADRA et à la distribution de crème solaire en même temps a été une réponse sincère à nos prières. Merci de toucher nos vies. Après avoir passé si longtemps sans protection, ADRA est venu à notre secours. Que Dieu vous bénisse pour le don de cette lotion. Cet écran solaire aura un impact significatif sur nos vies. Il préviendra le cancer. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu continue de vous bénir afin que vous puissiez nous fournir plus de lotions à l'avenir. Le travail d'ADRA en Tanzanie montre que le handicap n'est pas une incapacité. Leur soutien continu a permis à la communauté des albinos de relever d'importants défis. Dans le sud des Philippines, des formateurs en langue des signes adventiste aident des stagiaires en travail social à favoriser une plus grande inclusion et compréhension de la communauté sourde. L'Université Aurelio Mendoza, dans le sud des Philippines, a organisé une session de formation en langue des signes philippines pour doter les travailleurs sociaux stagiaires de compétences de communication essentielles. L'Église adventiste à Zamboanga, aux Philippines, a dirigé l'initiative pour fournir aux stagiaires les outils nécessaires pour établir des relations et communiquer efficacement. Ces éducateurs sourds ont fourni des informations inestimables sur la culture sourde et les subtilités de la langue des signes philippines. Leur engagement à partager leur langue avec la communauté entendante a joué un rôle crucial pour aider les participants à acquérir une compréhension plus profonde des perspectives et des expériences de la communauté sourde. L'Église adventiste du septième jour reste engagée à servir et à être une bénédiction pour tous, y compris la communauté sourde. Grâce au ministère adventiste des possibles, l'Église vise à inspirer, équiper et autonomiser les personnes en situation de handicap tout en plaidant pour leurs droits à l'accessibilité et à l'inclusion dans tous les aspects de la vie. Une nouvelle avancée médicale qui promet de révolutionner la lutte contre le cancer du sein aux États-Unis. Pour célébrer le mois de sensibilisation nationale au cancer du sein, Advent Health lance un programme novateur en Floride qui combine l'intelligence artificielle et la génétique pour détecter le risque de maladie à un stade précoce. Le nouveau programme GRACE d'Advent Health utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser les évaluations de risque de cancer du sein. La technologie croise les antécédents médicaux et familiaux des patients avec des données anonymes provenant de milliers de cas, permettant une analyse des risques plus détaillée et précise. Cette avancée est significative, car pendant des décennies, les diagnostics étaient presque exclusivement basés sur l'âge et les antécédents familiaux, retardant souvent la détection précoce. Selon la Société américaine du cancer, une femme sur 8 se verra diagnostiquer un cancer du sein au cours de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage précoce. GRACE utilise l'apprentissage automatique et l'IA de deux manières.
La première consiste en une analyse d'image améliorée par l'IA de la densité réelle sur la mammographie. Le radiologue peut donc déterminer la densité correcte qui est ensuite intégrée dans le modèle d'évaluation des risques. Le modèle lui-même utilise aussi l'IA. Après la mammographie, l'intelligence artificielle génère une estimation de la densité mammaire de la patiente. Et le radiologue peut confirmer ou ajuster cette valeur. La précision des modèles d'IA est telle que dans environ 96% des cas, les radiologues sont d'accord avec l'analyse fournie par la technologie. Si le patient est à haut risque, il est pris en charge par une infirmière spécialisée navigatrice qui s'assure que le patient suit le parcours clinique à haut risque. 20 à 21% des femmes qui viennent pour un mammogramme annuel sont à haut risque. Notre infirmière est absolument inestimable pour proposer à ces femmes des ressources appropriées et fournir des informations de soutien et des conseils. Le suivi des patients se fait de manière personnalisée et le rôle de l'infirmière a été fondamental pour guider les patients à haut risque, fournir un soutien émotionnel et orienter les prochaines étapes du processus de diagnostic. Alors que le programme GRACE continue de s'étendre, Advent Health vise à dépister environ 100 000 femmes par an afin d'augmenter les chances de détection précoce et potentiellement sauver d'innombrables vies. En tant qu'infirmière navigatrice en génomique, j'entends des gens partager leurs préoccupations et dire qu'ils ne savaient pas comment accéder aux soins. Ils ont peur à cause de leurs antécédents familiaux. Ils demandèrent des conseils et on leur a dit qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Ils apprécient donc que quelqu'un les accompagne tout au long du processus et s'assure qu'ils reçoivent les soins. La combinaison de la technologie de pointe avec des soins personnalisés transforme la détection et la prévention du cancer du sein, augmente les chances de guérison et sauve de nombreuses vies. À Panama, environ 400 jeunes bénévoles de l'Église adventiste du 7e jour ont participé à une importante initiative de nettoyage de plage. Leurs efforts visaient à lutter contre la pollution plastique tout en réaffirmant leur engagement à prendre soin de l'environnement. Des jeunes bénévoles se sont rassemblés à la plage de Costa del Este pour ramasser des déchets dans le cadre des activités du mois des océans, instauré par le gouvernement. Le nettoyage s'est concentré sur le défi de la pollution plastique, avec des rapports indiquant que les plastiques constituent une part importante des déchets océaniques. Des participants comme Rolando Lin, 14 ans, ont noté l'impact de leurs efforts, réalisant que de petites actions contribuent à des objectifs environnementaux plus vastes. Leur travail a non seulement permis de nettoyer la plage, mais a également sensibilisé la communauté, prouvant que l'action collective peut mener à un changement significatif. Bravo à ces jeunes vecteurs de changement. Aujourd'hui, dans l'épisode d'ANN Profil, Alyssa Truman reçoit Elias Brasil de Souza, directeur de l'Institut de recherche biblique de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Ensemble, ils échangent sur la façon dont l'Institut relève les défis théologiques contemporains et encourage une communauté de foi mondiale par l'éducation et la recherche. Le BRI est l'un des instituts, ou encore un service de l'Église. Nous sommes 5 chercheurs, 3 assistants, et nous faisons essentiellement des recherches pour aider à promouvoir le message de l'Église, son mode de vie et sa mission. Nous publions des ouvrages, tenons des conférences bibliques et des cours à travers le monde, afin de clarifier l'identité de l'Église et notre engagement envers les Écritures. C'est pourquoi cela s'appelle l'Institut de recherche biblique. Nous avons plusieurs publications et un site web. Nous répondons également aux questions, pour la plupart sur le site. Et nous servons également la direction de l'Église mondiale. Lorsque se pose une question théologique, quelque chose lié à une croyance fondamentale, et même au manuel de l'Église, nous sommes généralement impliqués.
Alors, je suppose que pour pouvoir servir en tant que l'un de ces 5 directeurs ou associés, vous devez être un théologien. Vous n'êtes pas seulement pasteur, vous êtes théologien. Est-ce correct? Oui, c'est ça. Nous appelons les personnes qui ont obtenu leur doctorat dans ces domaines afin qu'elles puissent être plus utiles, car nous ne servons pas seulement l'Église, je veux dire les membres d'Église en général, mais l'un de nos objectifs de base est nos collègues, théologiens, professeurs de théologie dans le monde entier. Nous avons des projets et des programmes pour les atteindre et aussi pour les impliquer dans nos recherches. Nous ne travaillons pas seuls. Il est important de le souligner. Mais nous avons un groupe de chercheurs qui nous aide à réaliser nos projets. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du septième jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Grâce à un effort humanitaire et spirituel majeur en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des communautés entières se rassemblent, reçoivent des soins médicaux essentiels tout en embrassant un message de foi, d'espoir et de renouveau. L'impact est si profond que plus de 2000 sites à travers le pays, y compris des prisons, ont été touchés par cet élan de foi. En avril, un puissant mouvement a balayé la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'énergie et l'enthousiasme étaient palpables alors que les communautés s'unissaient dans la foi et l'espoir. Tout a débuté par une méga clinique où des milliers de personnes faisaient la queue pour des soins médicaux fournis par des bénévoles internationaux et locaux. Résultat d'un effort conjoint de la campagne Decimal Toes et de la Radio Mondiale Adventiste, la clinique mobile a transformé la vie de milliers de personnes, dont celles qui ont retrouvé la vue après des opérations de cataracte. Après avoir répondu aux besoins physiques, l'accent a été mis sur la santé spirituelle. Le programme PNG pour Christ a démarré en couleurs et fanfares, avec des chœurs et des cérémonies de levée de drapeaux. Ce programme s'est tenu sur plus de 2000 sites à travers le pays, même dans des prisons. Des intervenants venaient de tout le Pacifique Sud et au-delà, et avaient rejoint des centaines de prédicateurs locaux pour partager l'Évangile avec des foules enthousiastes. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, était présent et a prié avec le premier ministre et d'autres responsables gouvernementaux. PNG pour Christ a touché la vie de nombreuses personnes de tous horizons. Les gens ont accueilli les messages d'espoir et de transformation. Jeunes et vieux se lançant dans un voyage de foi. Et l'impact a été extraordinaire. Des milliers de personnes ont été baptisées et des milliers d'autres se sont engagées à vivre pour Jésus. C'est un privilège de voir des personnes venant de tous les horizons, renforçant et affirmant leur foi et leur désir d'être baptisés et d'être appelés disciples de Jésus. Le programme a aussi profondément impacté les présentateurs internationaux. Notre équipe s'associera avec cette province. C'est merveilleux, car nous voyons quelque chose de plus grand, de différent, et nous pouvons tellement apprendre des gens ici. Et je crois que lorsque nous donnons aux autres et les soutenons, nous serons également bénis localement. En tant que jeune pasteur, j'ai eu moins de 2 ans d'expérience sur le terrain. Et cette campagne d'évangélisation m'a appris de nombreuses leçons. De retour dans mon pays, à l'école où je travaille, je relèverai le défi d'évangéliser davantage, surtout auprès des étudiants que je sers. Il y a 3 choses de ce voyage en PNG que je garderai en mémoire. Tout d'abord, la gentillesse, l'hospitalité et l'accueil des gens. Deuxièmement, l'effort qu'ils ont mis dans l'organisation du programme. Au départ, ça devait se dérouler en 2020. Et quand ça ne s'est pas produit, les gens ont continué les études bibliques et ont formé des petits groupes
et ils ont mis tant d'efforts pour s'assurer que les personnes seraient prêtes pour PNG pour Christ 2024. Et enfin, j'ai été émerveillée par leur engagement. Pendant des pluies ou des chaleurs extrêmes, ils étaient toujours là à écouter les messages. J'ai donc été vraiment inspirée et je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'y être allée. Un événement qui conjugue la santé physique et spirituelle tout en atteignant des personnes de tous âges et de tous horizons. Une véritable inspiration tant à l'intérieur qu'au-delà des frontières de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Environ 500 personnes ont visité une récente exposition biblique à Madrid, mettant en valeur l'importance des Écritures et de l'engagement communautaire. L'exposition de la Bible, connue sous le nom d'Expo Biblia, a eu lieu à Madrid, en Espagne, et a attiré environ 500 participants. Coordonné par l'Église adventiste de Ventas, cet événement culturel était le premier du genre dans la ville. Pendant 3 jours, les visiteurs ont apprécié des activités pour enfants, des performances musicales et de l'occasion d'entrer en relation avec l'Église. Les participants ont exprimé leur gratitude et se sont engagés dans des discussions significatives sur la foi. 40 participants ont notamment rempli des enquêtes, exprimant leur intérêt pour l'Église et ses activités. Les organisateurs espèrent que les graines de foi plantées lors de cette exposition porteront des fruits dans la communauté. Nous voyons le pouvoir de l'unité et de l'engagement. Un grand bravo à toutes les personnes impliquées dans le partage de l'espoir et l'inspiration par le biais de la parole de Dieu. Plus de 1100 pasteurs adventistes et leurs conjoints se sont réunis à Acajulta, au Salvador, pour la 3e et dernière partie de la retraite pastorale à l'échelle du territoire de la région interaméricaine. Les dirigeants des églises régionales du Panama, du Costa Rica, du Nicaragua, du Honduras, du Salvador et du Guatemala se sont réunis pour une retraite pastorale de 3 jours afin de se connecter avec Dieu et leur Père. Des expositions culturelles ont eu lieu. Des participants ont défilé en tenue traditionnelle et ont agité des drapeaux. Le pasteur Élie Henry, président de la région interaméricaine, a accueilli les participants à la retraite pastorale, les exhortant à renouveler leur engagement envers Jésus, à assister à des séminaires, à passer du temps de qualité avec leurs épouses et à profiter de la nature et de la communion. Bien que l'objectif initial était d'accueillir plus de 3000 pasteurs et leurs épouses, des défis logistiques ont conduit à diviser la retraite en 3 segments pour couvrir le Mexique avec la Colombie et le Venezuela, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Cette rencontre était enrichie des prières, des séminaires, des présentations et des séances de conseil familial privé. La retraite pastorale, axée sur le bien-être spirituel des pasteurs et de leurs familles, a mis en lumière l'importance de nourrir une relation intime avec Dieu, ainsi que la nécessité de s'accorder des moments de repos pour favoriser un ministère épanoui. À l'école primaire Ebenezer, en Dominique, la nouvelle année scolaire a démarré avec enthousiasme alors que l'enseignante Antonia a proposé un projet spécial. Elle a présenté une capsule temporelle nommée « Jerry » et invité les élèves de 3e à écrire leur sujet de prière pour l'année. Sur l'île de la Dominique dans les Caraïbes, Mademoiselle Samuel utilise un moyen astucieux pour enseigner la prière à ses élèves de 3e année, une capsule temporelle. L'année dernière, pour commencer l'année scolaire, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai vu une de mes amies présenter une capsule temporelle. Et elle a dit qu'elle plaçait différents objectifs, rêves et désirs dans une boîte pour ses élèves. Puis, à la fin du trimestre, elle ouvrait la boîte pour que les élèves puissent témoigner de la réalisation de leurs rêves. Mademoiselle Samuel a demandé à chacun de ses élèves d'écrire leur sujet de prière, puis de les enfermer dans une capsule temporelle pendant 1 an. Une fois l'année écoulée, ils pouvaient ouvrir la capsule pour voir comment Dieu avait exaucé leurs prières. Les élèves étaient enthousiastes à cette idée. Mais il restait un détail important à régler. Ils m'ont posé la question suivante. Mademoiselle, est-ce que l'on peut donner un nom à la capsule temporelle? Ils ont décidé de l'appeler Jerry. Jerry, la capsule temporelle. Nous avons donc scellé Jerry. Ce que vous voyez maintenant, c'est la partie non scellée de Jerry. Et nous avons prié pendant toute une année scolaire. Après une année d'attente, les élèves étaient enfin prêts à voir comment leur prière avait été exaucée. Je vais donc me pencher sur le cas de Jerry. Êtes-vous prêts? Oui! Lumière,
caméra, action! Parfait. Maintenant, ouvrez vos papiers. De nombreuses requêtes de prière ont été lues. L'excitation des élèves grandissait à mesure qu'ils réalisaient que Dieu avait répondu à leur prière. Un élève voulait rencontrer son père et il a pu rencontrer son père. Un élève voulait être sur la liste du principal et ce fut le cas pour lui. Et il y a un enfant qui n'avait jamais obtenu son grade de 5e année, ce qui correspond à 85% et plus, et cet enfant l'a obtenu. Ces élèves n'ont pas seulement prié pour eux-mêmes, ils ont également demandé à Dieu de prendre soin de leur famille. Votre petite cousine s'est-elle rétablie? Je suis contente pour ton expérience, que Dieu ait répondu à ta prière de l'année dernière. Les élèves de Mademoiselle Samuel n'oublieront jamais que la capsule temporelle de Jerry leur a appris que Dieu répond aux prières. Merci de prier pour les enseignants et les écoles du monde entier qui aident les enfants à comprendre la puissance de Dieu. Alors que l'école prospère, le besoin d'expansion émerge en raison de la surpopulation. Connue pour son excellence depuis 1976, l'école Ebenezer collecte des fonds par le biais de l'offrande du 13e sabbat pour un nouveau bâtiment. Ainsi s'achève l'épisode d'Aéden de cette semaine. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles de l'Église Adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église Adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder d'autres vidéos incroyables? Il vous suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église Adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et pensez à nous laisser un sujet de prière ou un commentaire. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec de bonnes nouvelles du livre de 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 10 et 11. Le texte dit ceci. « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. » Rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.